Tous ceux qui parlent du Thaïam et qui pensent que le Thaïam, c'est seulement quand tu fumes. Tu vois un peu, non? Sûrement, il y a là-bas certains pays, dès que les gens le savent. Ce n'est pas comme si au Cameroun, on est éduqué. Ce n'est pas comme si on est en Afrique, on est très éduqué comparé aux étrangers. Tu vois un peu, non? La preuve, c'est que l'Afrique et les Africains n'ont jamais colonisé le pays du blanc. C'est le blanc qui a colonisé l'Africain. Ce qui est terrible, c'est que c'est grâce au noir, c'est grâce à l'Africain qui a tout ce qu'il y a là. Tu vois un peu, non? Parce que sans le noir, le blanc ne peut pas évoluer comme nous. Le blanc a juste fait croire au noir. Tu vois un peu, non? Qu'il a quelque chose que le noir n'a pas. Sans savoir. Le noir ne savait pas que c'est grâce à moi qu'il y a tout ça. Moi, alors, je sais ça. Maintenant, je te fâche. Aux États-Unis, les mêmes pharmacies, bon, je suis en Californie, les mêmes pharmacies qui ne voulaient pas qu'on légalise le Thaïam, mon frère. Tu vois un peu, non? Même compagnie maintenant, les mêmes pharmacies, depuis qu'on a légalisé le Thaïam, chacun veut sauter dessus. Parce que maintenant, ils voient, pas seulement pour l'argent, pas seulement pour l'argent, mais ils voient les résultats que ça donne. Tu vois un peu, non? Donc, si tu es pharmacien, tu vois un peu, si tu es pharmacien, si tu es businessman, et tu vois que l'herbe sauve beaucoup de personnes. Donc, si tu arrives à sauver une ligne qui commence au stop sign juste là-bas, il y a toute une ligne jusqu'en bas là-bas. Tu as ton rôle maintenant que tu peux donner aux gens et ça sauve la ligne ici. Donc, les gens ne vont pas venir acheter les médicaments à ta pharmacie. Ils vont venir. Les gens ne sont pas éduqués. Les gens ont été programmés depuis qu'ils sont petits que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il grandit, il veut être comme mon père, il veut être comme ma mère. The fuck out of here, it was never me. Never. Never. Moi, je ne voulais pas être comme mon père. J'aime mon père, mais je ne voulais pas être comme mon père. J'aime ma mère, mais je ne voulais pas être comme ma mère. Donc, c'est comme ça. Tu vois, non? Mais nous sommes, voici 2020. Voici 2020. Tu vois un peu, et les gens vont. Tu dépenses 350 000, 400 000, 500 000, 600 000. Pour acheter un téléphone. Et le téléphone que tu achètes à 600 000, 500 000, 450 000, ce n'est pas pour utiliser, pour faire les recherches avec le téléphone et créer avec ton téléphone. Mais ce que tu fais avec le téléphone, c'est pour montrer à tout le monde que ton téléphone, c'est 450 000, 500 000, 600 000. Tu vois? Et quand nous, les Thaïameurs, on te voit faire comme ça, nous, on t'accape. Nous, on t'accape, mon frère. Tu vois un peu, non? Nous, on se bat avec nos petits téléphones de 50 000. Et on fait les choses avec. Mais c'est toi qui as le téléphone de 600 000. Tu nous insultes sur ton téléphone de 600 000. Tu vois un peu, non? Alors que tu n'utilises même pas ton téléphone de 600 000. Si on nous donne le téléphone de 600 000 à mon frère, on allait me mettre en haut avec. Tu vois un peu, non? Non, les tamers, quand on te voit, tamers, non? Parce que les vous, comme ça, vous ne tamez pas comme nous. Vous tamez dans le téléphone pour vous vanter. Nous, on vient, on t'accap. Et quand on t'accap, ça, on utilise alors. On va te montrer comment ça se passe. Et on ne le remet plus. Et tu t'amuses. C'est tout. Non, mon frère, tout le monde va te juger sur ce que tu fais. Tout le monde va te juger, ça commence par ça. Tu vois un peu, non? Mais toi, rends-toi compte que tu ne peux pas changer les autres. Tout ce que tu peux faire, c'est changer la façon dont tu réagis sur les choses qu'eux, ils te font. Pardonnez mon français, mon frère. J'ai fui d'abord l'école. Tu vois? Donc, on va te juger. Donc, tu vas commencer l'année 2020 avec un projet en tête. Tu vas encore prendre ton projet là. Tu vas partir t'asseoir avec ton père et ta mère pour leur dire, pour qu'on t'insulte encore. Donc tu vas commencer l'année avec les mêmes mots de tête que tu ne fais que commencer toutes les autres années depuis. Tu ne veux même pas t'aimer avec moi alors que je lui ai peut-être dit même content parce que tu n'as jamais essayé de parler de ton père et ta mère avec le temps. Tu n'as jamais essayé. Tu n'as jamais essayé. Je te donne les tactiques. Je te donne les tactiques. Hein? Observe the mass. Regarde ce que tout le monde est en train de faire au Cameroun. Regarde ce que tout le monde est en train de faire au Cameroun. Regarde ce que tout le monde est en train de faire dans le monde. Qu'est-ce que toi tu fais qui est différent de ce que eux sont en train de faire? Ce que moi j'ai fait, j'ai observé tous les Américains, j'ai observé tous mes coéquipiers, j'ai observé tous mes collègues, j'ai observé tous mes Thaïams avec qui est Thaïam, j'ai observé tout le monde. J'ai observé tout le monde. And nobody doing what I'm doing. Everybody is
talking about what I'm doing, not really knowing what I'm doing. Those who want to know what I'm doing, they call, they text, they reach out, and they ask me. And we end up having dope-ass conversations. Mais les gens qui ne veulent pas savoir ce qui se passe, qui veulent seulement parce qu'ils pensent qu'ils te connaissent. Ah, nous, on connaît Yuri. Get the fuck out of here. Tu connais Yuri ou? Tu connais l'enfant Yuri, tu connais le petit garçon Yuri, tu connais la cité verte Yuri, tu ne connais pas Yuri. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Comment je sais? C'est moi, il me connaît. C'est la dernière fois, on s'est parlé quand la dernière fois. Tu vas raconter aux enfants, aux gens, les années, l'histoire du lycée. On a le même mur qu'on escaladait, non? Voilà comment je sais marcher, non? Voici la tenue, non? C'est pas l'uniforme que j'ai ici, là. Voilà la tenue, non? Voilà comment je sais marcher, non, mon frère. À un moment, on ne regardait même plus à gauche, à droite. On ne regardait plus à gauche, à droite, mon frère. Et mon petit sac d'eau comme ça, la Marise me disait que je sais si vous sortez. Et d'abord, il me vous voyait d'abord. Que je sais si vous sortez, que madame. Je ne suis plus là, mon frère. Il comprend quoi en comptant, mon frère. Toi, tu veux qu'il reste ici, là, fait quoi? Tu veux que je reste ici, fait quoi? Pendant un bon mois, d'abord, là-bas, mon frère, l'embout, les gens, les fait que crier. Et puis, mon frère, pour rien me mettre dehors, mon frère, il dit go, moi, back, moi, go, taille, mon frère. Je dis ça pour dire ceci, le même mur que j'ai sauté toute ma jeunesse. Ah, c'est le même mur là, ici là. Maintenant, on garde la voiture. Maintenant, il y a ma femme. Maintenant, il y a ma famille. Ma famille, ce sont les Américains. Ma femme est de LA. Ma famille, ce sont les Américains. Mes voisins, ce sont les Américains. Mes voisins sont blancs. Quand Yuri disait ça au pays, on se moquait de lui. Quand Yuri racontait ces choses, il s'habillait comme il voulait s'habiller. On a parlé, on a dit, il y a ceux qui ont aimé, il y a ceux qui n'ont pas aimé. Mais si tu continues à te concentrer sur ceux qui ne t'aiment pas, tu n'avances pas. Parce que tu te concentres sur une énergie qui est négative, ils ne t'aiment pas, on s'en fout. Regarde tous ceux qui t'aiment, regarde tous ceux qui t'admirent, regarde tous ceux qui aiment les choses que tu as, regarde tous ceux qui apprécient comment tu te bats. Concentre-toi sur eux. Et c'est comme ça que ta foi ne fait que grandir et augmenter et ta vision reste claire. Et chaque fois que Dieu te parle, tu écoutes. Parce que tu es entouré de gens qui t'aiment. Même quand ils vont te dire que mon ami, il faut faire attention, tu vas écouter parce que c'est un amour pur. Ceux qui ne t'aiment pas, qui sont seulement te regarder et qui pensent que non, s'il arrive, il peut faire comme ça. Les gens qui ne sont pas loyaux avec toi, mais ils sont loyaux sur l'opportunité qu'ils voient quand ils sont avec toi. Nigga, get the fuck out of here, nigga. What you talking about? Then people want to get on your timeline and start talking like they know you. Man, nigga, please. You know what I'm saying? Il n'y a rien que quelqu'un écrit sur les réseaux sociaux qui me touche. Ça fait 10 ans que je suis ici. Tu vois un peu. When you open up a business, when you want to be a businessman, baby, we don't do business with feelings. You dig what I'm saying? I tried to do business with feelings for 10 years. And I was homeless and I was in the streets. I'm focused on the people who love me. I love everybody. And the ones that I love try to kill me. You know what I'm saying? So, at least for the next 10 years, because tomorrow is not promised, my whole focus already done changed. You know what I'm saying? I'm focusing on the people who love me. The people who love me, 95, maybe 99% of the time are people that I don't even know. It's people that I don't know. I just found out they love me and I vibe onto that. I choose to live up to that. Bro, listen to me, my nigga. I already know everything about death, darkness, depression, stress, anxiety, heartaches. I know. All about the dark world. I already know all about it, bro. I don't know about prosperity. I don't know about luxury. I don't know about, but here's the thing. People are on TV and on social media chasing something and they think that that's prosperity. I have to get that to get prosperity. I'm talking like this, I can tell you exactly what I want. This is prosperity. Knowing where you are, feeling the universe, feeling God, seeing everything that Jesus did, and realizing when he said you're going to be able to do the same thing,
You know what I'm saying? So, you will be judged. The world is the way it is, bro. You can get mad. You know what I'm saying? It's like me making a video and expecting everybody in the world to get this. I'm not making this video for the people that I love. Only. Because a lot of the people that I love, they won't, oh shit, they won't even understand what I'm doing. A lot of these people that I love don't understand what I'm talking about. The people who love me, the people who vibe with me, the people who love me, them, the video is for them. It's them, because they will know what to do with it. You know what I'm saying? Me, I just obey. It comes to my head, put my hand in my pocket, and I pull out the phone, and I put it like this right in front of you, just like the pastor. When he gets ready, and he gets behind the pulpit, and he gets the mic or whatever, and he starts preaching, it's the same thing. Believe in yourself, bro. Believe in yourself. You know what I'm saying? People are going to hate. Haters, that's what they do, they hate. I just need all my lovers to love. Because this is the thing. All haters are hating. Meaning, they are doing what they are supposed to do. They do what they do, they hate. I need all my lovers to love. Why are my lovers hating? Why are my lovers beefing? Why are my lovers trying to kill people? Why are my lovers stealing? Why are my lovers talking shit? Why are my lovers can't forgive, but they say they love every day? I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Nah, get the fuck out of my face. You actually do hate me. You know what I'm saying? Because the hater gonna bring you that. He gonna bring all the hate. You know what I'm saying? So if, when he start loving you, you just start, but we see all your lovers talking about loving you every day, but they protect themselves from you. They say they love you. They don't want to let you in. This, you know what I'm saying? It's so many things, dog. And then, I talk too much, bro. You put the mind into it. The mind is different. The mind is corrupt. You know what I'm saying? They have an idea of what love is. Then you can't tell them what your idea of love is, because they already have a preconceived idea of what love is, and they're stuck to that idea of love. They don't want to open up to your type of love. Then guess what they do? Because they don't understand your love, because they don't want to listen to you and don't want to open up, they just motherfucking judge you. You know how many people do that? They don't even know they do that, but they do it. And if you tell them that's what they're doing, they will deny it. You know why? Because they don't know who they are.